Yo, salut à toutes et à tous. Moi, je suis sur Warzone 2.0. Je vais tester la DMZ. Ça ressemble un peu à un mélange de Division et de Escape from Tarkov. Je vais tester solo. Parce que mes amis, ils sont tous en train de faire dodo. En fait, là, je suis en train de sélectionner mon arme pour aller me battre sur la map. Et j'ai remarqué un truc. On a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de munitions sur le jeu. Et peut-être d'essayer de survivre. Et notre but, c'est de réussir à faire toutes ces missions. On a des missions à faire. Par exemple, là, j'ai deux missions. J'ai déjà fini les missions précédentes. Vas-y, on se retrouve sur la game quand je spawn. Nous revoilà sur la map. On vient de spawn. D'accord. Là, je dois toujours faire mes missions. Exfiltrez-vous avec un sac à dos plein. Visitez ces points d'intérêt différents au cours d'un seul déploiement. Pour ça, il me faut soit un hélico, soit je vais prendre le train et rester dans le train. Vas-y, je vais faire le train. Il va passer par où? Ce train. Le train, tu passes par où? Par là. Vas-y, viens, monsieur le train, je vais t'attendre ici. Normalement, il arrive. Pourvu que le train ne me tue pas. Voilà. Là. Non. J'ai la même arme, donc je vais la changer quand je peux. Non. Là, je change. Ça, je prends. Ça, je prends. Ça. Ça, je prends. Ça, c'est pour le sac plein. Attends. J'ai mis deux points d'intérêt, d'accord. J'étais là. Ah.
terminer des contrats pour gagner de l'argent à dépenser aux stations de ravitaillement. Ok. Des plaques. Bon, je vais rester avec cette arme. Sur 4, 1 sur 6. Ultra 1, l'hélicoptère d'attaque ennemie se dirige vers vous. Me subimos hasta el trencito y que vamos más rápido. Vaya, hostia, pues yo no llego, me freno el tren. Vale, venga, hostia, hasta luego. Esto está abierto, tío. Aquí hay más gente, eh. Là, ça, c'est des joueurs qui sont. Qui parlent entre eux. Vient d'entendre là, c'est des joueurs qui étaient en train de discuter entre eux. Je crois que c'est une team. Ultra 1, les... Mon marée est par là. 1, 2, 3. Bon, là, je dois partir là. Mais le problème, il y a des campeurs qui campent la zone de d'extraction. Je dois faire attention.
Il y a quelqu'un qui l'a appelé. Ça, c'est des joueurs qui viennent de s'exfiltrer. Moi, je vais attendre juste quelques secondes, le temps que l'hélico disparaît. Et je vais refaire appel à l'hélico. Je crois qu'il y a quelqu'un ici. Je vais juste attendre que l'hélico arrive, je monte dedans et je me protège un peu. Parce que sinon, soit il y a des bouts qui vont push, soit il y a des joueurs qui vont essayer de monter dedans pour s'exfiltrer. Je crois qu'il y a quelqu'un par là. Je sais pas. Voilà, je viens de m'exfiltrer avec l'hélico. Et apparemment, il n'y avait personne, j'avais juste peur. Voilà, on vient de dégager. Normalement, j'ai mis les deux missions. J'ai fini les deux missions, normalement. La première, c'est sûr. La deuxième, on va vérifier. Je suis pas sûr, mais on va vérifier. Normalement, je dois remplir mon sac et visiter six lieux. J'ai visité les 6 lieux et j'ai rempli mon sac. Et j'ai ramené quelques armes avec moi. D'accord. Ok, on va voir l'émission. Exfiltrez-vous avec un sac plein. Je suis revenu avec un sac quoi vide. Il était plein. Merde. J'ai pas eu mon sac.
Ça, c'est fini, terminé. Je l'enlève. En tous les cas, c'était ça la DMZ. L'idée était un peu un mélange de Division et de Escape from Tarkov. C'était un plaisir de vous faire cette vidéo, même si la qualité n'est pas bonne. Mais si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et nous soutenir en laissant un j'aime, un pouce bleu. Même si tu n'aimes pas, mets un pouce en bas pour que je sache pour mes prochaines vidéos ce que je dois faire. Et merci à vous d'être vu, de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Tout simplement. Je vous remercie. À la prochaine. Ciao, ciao.